Vous êtes sur RTL. L'actualité la automobile avec Christophe Bourreau et Laurent Chiapello en ce samedi matin. Bonjour messieurs. Bonjour Stéphane, Salut bonjour Stéphane. à tous. Tiens, une question. Et si nos voitures adoptaient le gaz, un carburant pas cher et en plus qui pollue peu, le GNV, autrement dit le gaz naturel, pourrait-être, Christophe, une solution à nos problèmes de porte-monnaie et d'écologie Avec un chiffre qui calme tout de suite. Bon, alors, quand on prend, quand on fait son plein sur le GNV, c'est en kilos et pas en litres. Mais grosso modo, si on fait la comparaison, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est en moyenne... 40 40 à 50% moins cher que l'essence et 20 à 30% moins cher que le diesel. Il permet 1000 km d'autonomie pour les voitures, 500 pour les poids-lourds. Dernier. Petit avantage économique, sa forme gazeuse réduit considérablement les vols de carburant, comme on peut le constater malheureusement aujourd'hui de plus en plus avec le diesel. C'est un carburant plus écolo Oui, ce gaz essentiellement composé de méthane, alors c'est identique à celui utilisé pour votre cuisinière ou pour le chauffage. En tout cas, il permet de réduire les émissions de particules fines de 95%, celles des oxydes d'azote de 52% et celles de CO2 de 23%, ce qui lui permet d'arborer une vignette critère. 1, dont vous pouvez rouler les jours de pic de pollution, rouler dans les centres-villes, cerise sur le capot, vous pouvez obtenir une carte grise à moitié prix, voire gratuite dans la mmh. plupart des départements. On a une idée de combien de personnes roulent aujourd'hui au Geneve C'est Peanuts, à peine 14 000 véhicules en circulation, alors qu'il y a 2 millions euh, au total entre nos voisins italiens et allemands, 22 millions et demi d'utilisateurs dans le monde. Il s'agit avant tout de bus en France, hein, de camions-bennes à ordures, de poids lourds ainsi que d'utilitaires. Il faut savoir que deux tiers des collectivités de plus de 200 000 habitants ont intégré des bus GNV à leur flotte et les immatriculations de camions GNV doublent chaque année depuis trois ans. Mais du côté des particuliers, mmh. rien n'a signalé. Les ventes sont insignifiantes. On sait pourquoi bah, En cause, le manque de stations GNV pour faire le plein. Il y en a actuellement une petite centaine à peine en France et pourtant, et pourtant pas de risque de panne sèche puisqu'il y a un double réservoir et l'automobiliste peut toujours basculer en mode essence. Plusieurs constructeurs, à commencer par Fiat hein, en France propose des voitures bicarburants, sans oublier aussi qu'il est possible de convertir eh bien votre voiture essence au GNV pour environ 2000 euros. Bref, autant d'atouts qui apportent une solution immédiate au prix du carburant et l'écologie. Après les carburants, les cadeaux de Noël. Tiens, c'est un week-end de forte affluence dans les magasins et si vous n'avez pas d'idée, Laurent, votre magazine Auto Plus fait cette semaine une sélection de cadeaux. D'abord pour les amateurs de chaussures rouges. Alors Stéphane, oui, plutôt aux <laughs> amateurs de voitures rouges, alors fabriquées en Italie par exemple avec un je vais le cabré sur le capot, vous voyez à peu près ce que, ouais, ce que je veux ouais, dire. Une petite idée, ouais. Voilà, alors si comme la mienne, votre famille se fait un peu tirer l'oreille à l'idée de vous offrir pour Noël la dernière Ferrari 488, pourtant c'est seulement 220 000 euros, je comprends pas bien, je vous propose quand même un plan B, les chaussures officielles Ferrari. Elles sont rouges, forcément, ce sont des baskets rouges-vives, donc avec une bande noire sur le côté façon carbone qui rappelle les ailerons de Formule 1, et quand même nettement plus abordable, 150 euros la paire, et on les trouve notamment sur le site internet puma.com. Et puis Laurent, pour terminer, vous êtes pris pour un pilote, vous et tout ça avec le jeu vidéo officiel F1 2018 qui vient de sortir et qui est franchement totalement bluffant. On y retrouve toutes les voitures qui viennent de disputer le championnat du monde 2018, tous les circuits et donc on peut se refaire la saison entière dans son salon et se mesurer aux meilleurs pilotes du monde. Le graphisme absolument bluffant, on s'y croit. Je vous conseille vraiment ce jeu F1 2018 pour console PS4 ou Xbox One. Il coûte 69,99 euros et on le trouve évidemment dans toutes les grandes surfaces, les magasins de jouets, etc. Auto -radio. Christophe, Laurent parlait des petites voitures. Retour aux grandes avec cette semaine la découverte de la nouvelle Peugeot 508 version SW. Oui, c'est à dire break. Vous aviez déjà adoré la nouvelle berline que vous avez d'ailleurs désignée comme votre voiture préférée. Bien, la version rallongée, tout aussi séduisante, est déjà à l'essai avec toujours son point fort, la tenue de route. La stabilité est sans faille, même sur route dégradée. Peugeot nous offre là encore une fois une démonstration de savoir-faire, même avec de grosses jantes de 19 pouces. Essai à retrouver demain 11h20 dans Turbo sur M6, tout comme la question Auto Radio Turbo. Et cette conséquence du mouvement des gilets jaunes, près de la moitié des cabines automatiques seraient hors service. Question, pensez-vous que moins de radars sur les routes nuiraient à la sécurité routière? Vous réagissez et répondez sur RTL.fr. Merci messieurs. Demain, Christophe, on vous retrouve dans Auto Radio à 19h20 sur RTL. Pour parler toujours des carburants, mais sous l'angle des petites stations-service. Et c'est un vrai coup de pompe pour nos stations. Elles ne font que décliner à tel point qu'il faut désormais, écoutez bien, en moyenne, rouler 25 minutes pour faire le plein en France.